Tu vois comme c'est beau. Alors ça, c'est la Voie lactée. On est là-dedans, Mio, avec tous ces petits systèmes solaires qui se tournent autour sans jamais se toucher. Et c'est complètement magique. D'ailleurs, bienvenue à toi, viewer. Tu es à 19h pétante pile sur le bon stream, puisque c'est bien le nouveau The Big Gamowski. Et qu'aujourd'hui, on va se tartiner un shmup pour étoffer notre magnifique encyclopédie des shmups. Alors, cette musique merveilleuse que j'ai à peine... Je m'en veux de l'avoir coupée, parce qu'elle est quand même merveilleuse. Elle n'est pas du tout répétitive. Oui, ce sont bien les prémices de la techno, une fois de plus. Nous invite à nous évader. À ses ailleurs, lointains dans le cosmos, tellement lointains qu'en fait, sans s'en rendre compte, on est complètement à côté, puisqu'ils sont juste à côté de nous. Toutes ces choses-là, en fait, sont dans la mer, dans les océans. Et c'est Turtle Ship qui va nous démontrer, pas plus tard que maintenant. Turtle Ship, d'où viens-tu? À part ta BO qui est juste un poil envahissante, vous dites? Oui, envahissante, c'est le mot. Eh bien, tu viens des années 88. Tu as fait une session sur borne d'arcade et je ne t'ai jamais vu au grand jamais de ma vie, quoi. Donc du coup, je suis super curieux de savoir ce que tu as dans le ventre, ce que tu nous réserves. À l'odeur, on va dire plutôt au bruit, hein. À l'oreille donc, ça ressemblerait quand même plutôt pas mal à un jeu pour les mômes. Alors, la régie, c'est quoi ces gestes encore? Les bras croisés comme ça, oui j'aime bien. Eh mais c'est le truc de YMCA, c'est tout ça. Le... fait... Ah oui, oui, non, mais ça c'est normal. Bon, on va couper la musique, on va sortir du jeu, on va le redémarrer. On commence à être hyper entraîné, quoi. Qu'est-ce que nous réserve ce shoot? C'est une très très bonne question. La réponse tout de suite, après le flash météo qui annonce un cyclone sur Uriage-les-Bains. Et uniquement sur Uriage-les-Bains. C'est-à-dire à Saint-Martin-d'Uriage, il n'y en aura pas. Alors les gens, parfois, croient que je dis des noms de lieux complètement bidons, tellement ils ont l'air tirés par les cheveux. Et en fait, pas du tout. Regardez sur les maps. Je ne bullshit jamais, au grand jamais. Alors, Philco, qu'est-ce que tu nous as fait? Des petits dragons. Quel rapport avec les turtles, du coup? Parce que turtles, il me semble que c'est quand même pour tortue. Donc ça, c'est ma tortue, ok. Et nous sommes bien dans un shmup à queue. À queue, à queue. À queue. Alors, est-ce que ça va être une bonne ressucée d'un Gradius-like, on va dire? Moi, je pense que déjà la musique va m'hypnotiser. Je vais avoir un peu de mal. Puis les poissons, moi je sais pas, je trouve ça pathétique. J'ai pas peur du poisson, quoi. Même s'il me tire dessus, j'aurais plus tendance à rigoler. Enfin bon. Courage, on y va. Le scénario du shmup. Ne pas rigoler. Non, retenez-vous, faites comme moi. Fuck yeah! Est-ce que je suis ready? Je suis toujours ready. Je n'ose pas essayer le deuxième bouton, je vais me laisser la surprise. On va dire qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais. Et je ne peux pas compter sur une méga bombe. Mais je vais quand même essayer ce deuxième bouton au prochain passage où je vais sentir... mon BPM interne accéléré sauvagement, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Alors, est-ce que les graphismes sont merveilleux pour 1988? Si tu as des enfants, oui. Si tu as des enfants en bas âge, c'est encore mieux, quoi. Parce que si tu as des ados, là, va y avoir un problème. La musique ne fait qu'en rajouter, d'ailleurs. Bon, j'ai essayé mon deuxième bouton et j'ai une très 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 mauvaise nouvelle pour moi. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Parce qu'elle est aussi pour vous cette nouvelle. Si un jour vous avez l'intention d'y jouer... Oh putain, une araignée, je déteste les araignées. Ouh, la méchante araignée, mais elle est vraiment vilaine, c'est incroyable. Tu passes comment là-dedans? Infirmière! Oui, prépare les vaccins. Bah, va y en avoir besoin, parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi de ces damnés vaccins anti-JDG. Ça se trouve, il y a une date de limite dessus. Donc de toute manière, il va falloir que je les passe. Donc, tant que ce soit de mon plein gré et que j'anticipe un peu le mouvement, je sens que je vais m'énerver sur ce jeu. Oui, oui, je le sens bien. Il est probable que certains noms que je regretterais d'avoir hurlé à la face du monde et enregistrés sur ton stream ne tardent pas à apparaître. Cette musique, mes aïeux. Infirmière,
Prépare-toi à appeler le 12e numéro dans le téléphone. Oui, Jean-Mi. Bah oui, Jean-Michel, va falloir qu'il s'explique, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? C'est quoi, ce... Un flyback tout au ralenti? Ah, c'était le temps de charger mon script avec 3 Zob. Qu'est-ce que vous avez entendu? Zob? Non. Avec 3 objectifs. Le premier, m'éliminer. Le second, m'anéantir. Et le troisième, m'éradiquer de manière totalement définitive et injuste. Alors, il y a eu un ralentissement suivi d'une accélération. J'ai pas vraiment tout compris. Il faut qu'on revoie l'action ralentie, mes amis. Et tu repars à sec, vas-y. Mais je l'ai bien boité, quoi. Deux tirs, ok. Donc, nous avons un candidat qui vient d'échapper à la catégorie des top shmup, immédiatement. Et on ne sait même pas s'il va être dans les sélectionnés, en fait. Oh mon dieu, alors il reprend la technique Salamander, où on alterne vue de côté, vue de dessus, ce qui est quand même sympa. Ceci dit, moi quand j'ai un étron, que je le vois de côté ou que je le vois de dessus, ça change pas grand chose. Et alors quand je l'entends avec cette musique là, j'ai envie de sauter dedans à pieds joints quoi. Je vais devenir fou avec ce jeu. Je commence déjà à baver. S, infirmière, double. Oui, double, tu dois pas faire une seule. Bah non, ça suffira jamais, j'ai pas de bombe, j'ai rien. J'ai que mon cul qui va peler, comme on dit. Et c'est quoi ces bonus qui me filent absolument que dalle? Oui, que dalle, comme la nageoire du dauphin, la nageoire que dalle. Il est bien ce game over, j'ai une énorme envie d'en profiter. Comment ça, on a largement fait les 5 minutes, mais je vais continuer parce que je suis un punk. Eh ben, j'ai déjà oublié le nom de ce jeu, c'est quoi le nom? Faut s'en rappeler, hein. Parce que faut... Bah oui, vas-y, prépare une place au grenier dans la malle, parce que... Il va pas aller ailleurs. Hein. Au-dessus de la cheminée? Je voterais plus dedans, en fait. Hein. Alors, c'est un shmup, avec des graphismes enfantins. Une musique niaise, hein, faut dire ce qu'il est. Et avec une jouabilité qui s'adresse surtout pas à des mômes, quoi. Tu files ça à un môme, il va lancer 2 fois le jeu, il va être tellement dégoûté de pas y arriver... Il va le déj... Bah... Au grenier, dans la malle à shmup. Et il est pas con, le môme. Mon dieu, mon premier bonus qui fait quelque chose. Aïe, 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 je sens que ça va être super sympa, ça. On va se marrer, on va se poiler, je vais m'en prendre un sur la gueule, c'est obligeud. Prenons un air dégagé. Un air dégagé. Non, ça fait pas partie du jeu. Vous avez toujours pas reconnu Qbert, vous êtes lamentable. Je vous déteste. Qui ne reconnaît pas les sons de Qbert n'aime pas les jeux d'arcade. Et oui, je les connais tous par cœur, je peux les faire à la bouche. Je me vide l'esprit parce que ces deux boss là sont en train de m'emmerder à un moment. Et... J'aimerais bien qu'il y en ait un qui veuille bien crever. Au lieu de me mollarder dessus, c'est témoin, il me crache à la gueule, le truc. Non, je me laisse pas cracher à la gueule, moi. Je suis Monsieur K. Tu pourras faire ça quand t'auras la bouteille que j'ai, quoi, en boulette. Bouge pas. Fais pas le Space Invader, surtout, je ne supporte pas ça. Le petit tir fourbe de côté, là, comme ça, genre... Oh, je m'éloigne, mais... tiens, je te balance un petit tir fourbe de côté, là. Regarde, celui-là. Et il me crache dessus, c'est parti. C'est la première fois que je me fais cracher à la gueule dans un shmup. Aïe, mais que va-t-on faire de toi, pauvre jeu? Que va-t-on faire de toi? Elle est prête, la malle au grenier? Ouais. Donc, comme vous l'avez compris, je pense que ce jeu ira bien dans les archives. Il est passé à côté de tout. Il a repompé les bons concepts que les autres jeux ont. Mais il a été infoutu d'en faire quelque chose de potable, quoi. Ou alors, c'est parfaitement pas cohérent. Et niveau jouabilité, c'est pas super équilibré. Donc les vieux loups de mer, bah ça va. Mais je pense que c'est pas la cible, hein, je le répète. Je pense que c'est quand même des mômes. Parce que je connais pas trop d'ados qui joueraient à ça, tellement c'est con, ces graphismes, et c'est... Je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Et cette musique... Appelez Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. C'est Monsieur K. Je te dérange? Comment ça? Tu es en train de faire la musique d'un nouveau Tetris? Et tu peux venir, non?
Non. C'est en russe. Ah oui, bah c'est normal. Je t'appelle pas pour ça. Je retrouve le nom du jeu. Merde, je l'ai perdu. La régie, c'est quoi le nom du jeu? Non mais avec les bras, je comprends pas. Attends, je vais sortir. Turtle Ship. Eh oui, Jean-Michel, c'est toi qui as fait les bruitages de Turtle Ship, dis-moi. Non. Ah, ton cousin. Oui, bah, on le sent, dis donc, c'est étrange. Non, mais bah, je te dérange pas plus longtemps, c'est juste pour avoir l'info. Oui, à bientôt. Oui, je viendrai m'inviter dans tes émissions aussi. Bah, donc c'est pas Jean-Michel Bruitage hein, qui a fait la BO de Turtle Ship, mais je vous rassure, si vous voyez quand même ce genre de visuel près de vous, et qu'on vous dit c'est un shmup, et qu'il est génial de surcroît, barrez-vous en courant, c'est un piège. C'est une arnaque, c'est une fumisterie. Ce jeu n'est ni bien, ni pour les petits, ni pour les grands, ni pour les vieux. Donc, grognez, mal archive des shmups, et on oublie vite, on passe à autre chose. Genre, cherchez dans les streams que je vous file, la playlist généraliste, la playlist des shmups, voire même ce stream surprise. Et rendez-vous à 19h demain pour se régaler d'un nouveau titre à découvrir. Ciao.